Bonjour, je vais vous présenter un exemple de mise en œuvre de la chaîne critique sur un projet CAPEX. De nombreuses vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et décrivent plus en détail cette méthode qui peut s'appliquer à tout type de projet. Elle est particulièrement adaptée au projet CAPEX, comme un déménagement industriel ou l'intégration d'un moyen dans une ligne de production par exemple. En effet, ces projets nécessitent de réaliser un nombre important d'opérations en un temps très court, le plus court possible. Chaque jour gagné sur le planning est un jour de chiffre d'affaires supplémentaire et donc un gain financier direct pour l'entreprise. De plus, on connaît de manière précise la liste des tâches à effectuer, il y a donc moins de variabilité que dans un projet R&D par exemple. La chaîne critique donne également une meilleure visibilité sur la capacité des ressources par rapport à la charge qui est prévue. Pour toutes ces raisons, c'est donc une solution qui est pertinente puisqu'elle permet de créer des plannings très réalistes, facilement optimisables et avec une forte probabilité de finir à l'heure. Par où commencer pour mettre en place cette méthode sur un projet CAPEX? On commence par construire un réseau de tâches, le traditionnel Gantt du projet. Puis, on définit les ressources humaines et matérielles qui sont nécessaires à la réalisation du projet, comme par exemple les électriciens, les moyens de manutention, etc. Si le planning que l'on obtient suite à cet exercice ne convient pas en termes de délai, on vient challenger les hypothèses initiales. Est-ce que ma séquence de tâches est correcte? Est-ce que je peux disposer de plus de ressources? Quelles tâches sont absolument nécessaires et lesquelles sont des nice to have? Quelles tâches peuvent être réalisées en temps masqué? L'objectif est de focaliser les efforts d'optimisation sur la chaîne critique de manière à réduire la durée totale du projet. Une fois que la phase de planification est terminée, on passe à l'exécution. L'outil de pilotage utilisé avec cette méthode est la Fever Chart. Ce graphique compare l'avancement du projet avec la consommation du tampon, c'est-à-dire avec la marge de sécurité qui est prévue pour le projet. Un projet commence donc à 0% d'avancement et 0% de consommation de tampon, en bas à gauche de la Fever Chart, et il se termine à 100% d'avancement. Un projet termine à l'heure s'il a consommé 100% de son tampon, et en avance s'il en a consommé moins. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cet outil, d'autres vidéos expliquent de manière détaillée comment obtenir cette Fever Chart. Ce qu'il faut retenir, c'est que le code couleur de ce graphique vous permet de mesurer l'état de santé du projet. Lorsque le projet est terminé, cela vous permet également de retracer son déroulé, en visualisant rapidement quels ont été les points chauds et quelles étapes ont permis de regagner du temps. Voilà pour l'aspect théorique de la méthode, passons maintenant à la pratique. Je vais vous présenter le déroulé d'un projet CAPEX à travers sa Fever Chart. Le projet en question est celui d'une entreprise qui réalise des servovalves hydrauliques pour l'industrie aéronautique. Son usine était disposée en îlots métiers, ou plutôt en silos métiers. Il y avait d'un côté l'îlot rectification, de l'autre l'îlot fraisage, etc. Et les pièces faisaient des allers-retours entre tous ces différents points. En termes de flux, l'aménagement n'était donc pas du tout optimal. Il a donc été décidé de déménager les machines pour aboutir à une configuration plus linéaire qui permet un meilleur transit des pièces entre les différents postes de travail. Le département des méthodes avait prévu d'installer 4 lignes de production, une par typologie de produit, en réemployant des moyens de production qui existaient déjà. Il fallait donc déplacer 50 machines en seulement quelques jours, de manière à ne pas stopper la production trop longtemps. Ce déménagement a lieu en 3 étapes. Il y a eu tout d'abord le déménagement de la première ligne de production qui a duré une semaine et qui a servi d'entraînement pour les équipes. Ensuite, il y a eu des travaux de génie civil pour décloisonner l'atelier et installer un système de climatisation pour les machines qui doivent absolument fonctionner dans un environnement tempéré. Enfin, la dernière phase du projet était le déménagement des 3 dernières lignes, soit plus de 40 machines. Pour le premier déménagement, seulement une dizaine de machines étaient à déplacer en 5 jours, donc avec une durée optimiste de 3 jours et demi et 1 jour et demi de tampon. Nous avions donc la Fever Chart suivante. On voit que le projet a commencé sans accroc et a avancé aussi vite, voire plus vite que prévu sur les 2 premiers jours, c'est le trait horizontal dans la zone verte. Lors du 3e jour, les équipes ont commencé à consommer un peu de tampon, puisque voyant que le projet allait terminer facilement dans les temps, elles ont décidé d'anticiper quelques travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au départ. La signalétique des lignes, comme le marquage au sol et les panneaux au plafond, ont été rajoutés alors que ce n'était pas nécessaire au redémarrage de la ligne. C'est pour cette raison que l'on s'est retrouvé dans la zone jaune de la Fever Chart. Malgré ce travail supplémentaire, le premier déménagement s'est terminé en 4 jours au lieu de 5 et avec une très grande sérénité. Entre ce premier déménagement et le début du second 8 mois plus tard, un travail conséquent a été réalisé pour que l'usine soit entièrement prête au lancement du projet. On souhaitait à tout prix éviter d'avoir à réaliser des travaux de génie civil pendant le déménagement, de devoir attendre le séchage d'une dalle de béton, ou bien de déménager des machines qui ne pourraient de toute façon pas être redémarrées dans un environnement qui n'était pas climatisé. Ce travail préparatoire a été piloté de près et l'usine a été prête au début du mois d'août comme prévu. Comme expliqué au début de cette vidéo, un planning chaîne critique prend en compte la disponibilité des ressources. Pour la plupart des machines, le déménagement comprenait une séquence de tâches standard. On vidange la machine, on la débranche, on la déplace, on remet à niveau l'huile, on la rebranche, on la redémarre, et enfin on termine par un contrôle géométrique des axes d'usinage. À chaque tâche, on vient associer une ou plusieurs compétences clés. Il faut par exemple savoir en amont combien de personnes pourront être présentes pendant le déménagement et lesquelles disposent d'une habilitation électrique.
En construisant le planning de ce second déménagement, il a été identifié dès la phase de planification qu'il manquait un géomètre pour redémarrer l'ensemble des machines dans les temps. Notre client a donc demandé au sous-traitant qui réalisait ce contrôle s'il était possible d'avoir une ressource supplémentaire. La solution a été d'avoir un géomètre à disposition la première semaine, puis deux géomètres la seconde. En prenant en compte cette hypothèse, le projet était planifié pour une durée totale de 10 jours, 6 jours et demi pour la durée focalisée et 3 jours et demi de tampon projet. Voici la fever chart de ce second déménagement. Comme vous pouvez le voir, un peu de tampon a été consommé la première semaine et le projet est allé dans la zone jaune de la fever chart. Cela s'explique par le fait que les premières machines à déplacer étaient les plus volumineuses et les plus sensibles et il a donc fallu un peu plus de temps de manutention que ce qui était prévu au départ. Deux fois par jour, les équipes se réunissaient autour d'une matrice pour valider les opérations réalisées et ainsi permettre au chef de projet de mettre à jour le planning du déménagement. Ça correspond aux différents points que l'on voit sur la fever chart. Le fait d'avoir une mise à jour bi-quotidienne permettait au chef de projet de redéfinir les priorités en début de journée ou en début d'après-midi, de manière à pouvoir focaliser les équipes sur la chaîne critique du projet. Dès la fin de la première semaine, un peu de tampon a pu être récupéré car le matériel était plus rapide à déplacer que prévu, et le second géomètre est lui aussi arrivé avec un peu d'avance, ce qui a permis d'accélérer le redémarrage des moyens de production. Finalement, le projet a pu se terminer avec 2 jours d'avance. Toutes les machines ont pu être testées par des opérateurs expérimentés à l'issue de ce déménagement, ce qui a permis de les rassurer sur le fait que la reprise de l'activité pourrait avoir lieu sans encombre. Au retour des congés estivaux de l'ensemble des équipes, l'usine a pu fonctionner normalement. Pour ce projet CAPEX, les deux phases se sont donc terminées à l'heure et même avec au moins une journée d'avance. C'est un résultat qui a été possible grâce à une planification détaillée, réalisée avec l'ensemble des parties prenantes du projet, et aussi grâce à un pilotage rigoureux de l'avancement des chantiers, avec des mises à jour bi-quotidiennes de l'avancement. Si vous aussi vous réalisez des projets CAPEX de réimplantation, de déménagement ou d'installation de lignes, prenez le temps de modéliser vos ressources et de libérer une marge de manœuvre pour prévenir des aléas. Dans le cas que je viens de vous présenter, ce client a su prévoir 3 jours de marge sur un déménagement de 2 semaines, soit environ un tiers de la durée totale du projet. Et c'est ce qui est recommandé avec la méthode de la chaîne critique. Si on termine un projet plus tôt que ce qui était prévu, on peut prendre de l'avance sur les finitions. Ou, si les opérateurs sont disponibles, on peut redémarrer la production une journée plus tôt. C'est un cas qui est déjà arrivé à l'un de nos clients. La nouvelle ligne était prête en avance, mais n'ayant pas été prévenu, le personnel n'était pas disponible pour reprendre la production plus tôt. L'entreprise a donc perdu plusieurs jours de chiffre d'affaires dû à ce manque d'anticipation, ce qui est dommage. De la même manière, si un projet se termine en retard, on perd des jours entiers de production que l'on pourra difficilement rattraper. Il vaut donc mieux prévoir une marge de sécurité pour être sûr de terminer dans les temps, d'où le tampon projet. La phase de planification est trop souvent négligée au lancement d'un projet. Pourtant, elle est essentielle pour ne pas oublier d'activité, pour anticiper certaines tâches comme les approvisionnements à long lead time par exemple. Maris Consulting a récemment été en contact avec un directeur industriel qui a réussi à construire une usine en seulement 11 mois en utilisant la chaîne critique. Cette performance a pu avoir lieu suite à un long travail de préparation. Il leur a fallu environ 10 mois pour élaborer un planning très robuste en impliquant toutes les parties prenantes, dont leurs fournisseurs. Et grâce à ce travail effectué en amont, l'exécution a ensuite été beaucoup plus fluide et efficace. Un autre point positif remonté par les équipes sur le cas pratique que je vous ai présenté est qu'elles ont pu travailler de manière quasi continue sur la machine goulot malgré l'arrêt des autres machines. En effet, le séquencement des tâches avait été pensé de manière à continuer à produire le plus longtemps possible sur cette machine clé avant de la déplacer. La performance du projet CAPEX a donc été bonne, mais en plus de ça, les performances opérationnelles n'ont pas été dégradées. Ça a donc été une très grande réussite pour l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci et à bientôt.